Vous l'aviez demandé ? Eh ben vous allez l'avoir ! Tu devais pas parler de She-Hulk plutôt ? She-Hulk ! She-Hulk ! She-Hulk ! Vous vous souvenez de la copine que vous aviez au lycée ? Celle qui était bien plus cool que vous ? Super canon ? Celle qui attirait tous les regards ? Salut. Je crois que je suis jaloux. C'est ça que je ressens, de la jalousie ? Putain, je me fais foutre dehors de ma propre vidéo ! Hé ! Oh ! C'est quoi ce bordel ? Putain ! Bonjour à vous les petits cinéphiles ! Petite vidéo bonus, petit cadeau de Noël pour cette fin d'année. Aujourd'hui, on va critiquer Adam ! La plus mauvaise série de Disney+, et venez pas vous plaindre si ça gueule trop, parce que c'est vous qui me l'aviez demandé. Et puis moi, ça m'amuse ! Bref, entre autres, il s'agit de la 9e série Marvel sortie sur la plateforme, et on attend la 10e, ouais ! Super, super ! Et par qui s'est créée cette grosse merde ? Cette série est créée par Jessica Gao, qui a en plus écrit 2 épisodes, le premier et le deuxième. Connasse ! Sois pas vulgaire ! Ta gueule ! Alors, sa carrière se résume à pas grand chose avant, et espérons pas grand chose après. Connasse ! Et au casting, on a dans le rôle principal Tatiana Maslany, qui s'était pourtant brillamment illustrée dans la série Orphan Black, et bien d'autres. Fin de carrière ! Ça pue, en effet. On a également la présence de Jamila Jamil. Fin de carrière ! De Tim Ross. Fin de carrière ! Bénédicte Wong. Y'a de l'espoir ? Non ! Et pour finir, Mark Ruffalo. Fin de carrière aussi ? Que Dieu nous en préserve, parce que lui, ça reste quand même un putain d'acteur, donc j'espère pas qu'un rôle de merde va lui pourrir sa carrière ! Mais bon, vu ce que le MCU a fait de Hulk depuis un bon moment, on est quand même passé de ça... I'm always angry. Et maintenant on a ça. Bien. On fait aussi bien que le MCU à ce que je vois. En effet, on est au même niveau. Mais dis au moins aux gens de quoi ça parle cette merde. Alors, pour les chanceux qui ne l'auraient pas vu, Jennifer Walters, la cousine de Bruce Banner, travaille comme avocate dans un cabinet spécialisé dans les affaires liées aux super-héros. Et après un violent accident de voiture, elle est contaminée par le sang de Bruce. Elle hérite alors de ses pouvoirs et devient à son tour une super-héroïne, She-Hulk. Et comme vous avez pu le constater en m'écoutant depuis le début, c'est que... C'est de la merde ! Et je crois même que la merde trouverait que ça pue. Disons qu'en voyant le trailer, on s'attendait à un énorme géant vert dégueulasse et mal fait, et au final, disons que ça passe, et que c'est pas le problème principal de cette série. Mais si, n'oublie pas l'abomination qui est de retour dans cette série et qui est dégueulasse ! Regarde ! Alors le problème vient peut-être de son actrice principale. Et elle surjoue un peu, mais je dirais que c'est pas vraiment le problème principal. Et quel est-il ? Le problème principal, c'est son scénario de merde ! Oh ! Non mais franchement, ça pue du cul ! Alors, en plus, quand tu as à la base Kevin Feige qui te dit, je cite, « une comédie juridique d'une demi-heure qui serait fidèle au point de vue de John Byrne sur She-Hulk dans les comics Marvel. » Est-ce que tu te foutrais pas de ma gueule par hasard ? Et de la mienne ! Pas de la même occasion ! Et au final, t'as ça ? Non ! Mais t'as ça ! C'est quoi cette merde ? Et en plus, le message de la série, je le trouve très toxique parce qu'il est très féministe, anti-mec et woke. Ah, t'as dit le mot ! Le mot ! Qui plus est, l'écriture est tellement fine comme du gros sel. Mon Dieu ! Que tous les mecs, mais alors... Tous les mecs sont des prédateurs sexuels en puissance qui veulent profiter des femmes. Ils sont relous, beaufs, violents, et tu ressens vraiment le message « Mort aux quéquettes !» Bien évidemment, Jennifer, elle est plus forte, elle est indépendante, elle est même plus forte que Hulk, parce que elle, en tant que femme, elle sait contrôler sa colère. Bien sûr. Les transformations sont déclenchées par la colère et la peur. Tu viens juste de résumer le quotidien des femmes depuis la nuit des temps. Et ça respecte le comics ? J'en sais rien, j'ai pas lu. Ah si, elle brise le quatrième mur, comme dans les comics ! Comme Deadpool ? Alors pour le coup, c'est She-Hulk qui l'avait fait avant Deadpool. Sinon, le personnage est un peu paumé, elle dirige sa vie, elle est avocate, elle est indépendante, elle couche avec tout un tas de mecs. Y'a rien de plus déprimant qu'être une trentenaire célibataire. Ouais, c'est mon meilleur rencard depuis longtemps.
Mais c'est tellement fait à la truelle qu'on dirait une nympho frustrée qui pense qu'à baiser. Et n'oublions pas surtout que n'importe quel bonhomme est un criminel potentiel. Et franchement, on dirait vraiment que le scénario de cette série est écrit par une hystérique frustrée de la vie. Moi, je trouve que tu y vas fort. Non mais t'as vu comme ils sautent de notre gueule ? Oh, ça va, abuse pas non plus. Ils ont baisé Daredevil. Quoi ? Ils ont baisé Daredevil ! Regarde ! Morning. La marche de la honte. Fils de p***. Et c'est avec cette version du héros que vous allez le réintroduire dans le MCU. Nique ta m***. Et le pire, c'est que dans tout ça, eh ben au début, je trouvais ça tellement con que ça me faisait rire de regarder ça chaque semaine. Pourquoi, me direz-vous? Mais parce que c'est tellement nul, nul à chier, tellement à côté de la plaque que ça en devenait divertissant. Pardon? Mais parce qu'au début, j'étais... oh non, ils vont pas oser. Ils vont pas oser faire ça. Ah si, si si, si si, ils ont osé. Mais à la fin, c'était plus drôle. Rappelons également que c'est quand même une série sur une avocate, mais alors ça... je crois qu'on s'en bat les couilles à un moment. Et elle se bastonne au moins à peine. Et ils sont où les combats à la Hulk? Ah, bordel de merde! Putain, mais on en vient à regretter le Hulk de Ang Lee! Ah si, et j'oubliais! Dans le dernier épisode, t'as un gros what the fuck! À ce moment-là, She-Hulk sort de l'écran. Alright, let's see here. No. Ah, Marvelous Apple. That'll do! Il va voir les scénaristes en disant que son scénario c'est de la merde et elle va voir Kevin Feige qui est en fait une intelligence artificielle et qui lui dit que c'est lui qui a toutes les idées. Donc en gros ils reconnaissent que ce qu'ils font c'est de la merde et ils essaient de t'enfiler le suppôt tranquillement en te disant ouais on sait que c'est de la merde, c'est fait exprès. On se fout de nous. En bref, je vais vous dire, autant se faire un lavement plutôt que de vous recommander cette série parce que honnêtement, je suis d'habitude plutôt bon public mais là, c'est de la merde. T'es au courant qu'elle va faire partie des Avengers? Voilà, chose promise, chose due, je vous ai parlé de She-Hulk. La prochaine fois que vous avez une idée comme ça, eh ben, évitez, simplement. Et puis, moi, il me reste juste quand même à vous souhaiter un joyeux Noël et de bonnes fêtes. Et je vous dis à bientôt!